Bonjour, bonjour Marie. Bonjour Yves. Nous traversons une crise de la représentation. Cette crise traverse de nombreux champs. On n'accepte plus facilement d'être représenté sans éprouver un sentiment de trahison, voire de manipulation, quant à une authenticité première supposée et donc bafouée. Cette crise impacte de plein fouet nos processus démocratiques. Épuisement du modèle de la démocratie représentative, défiance, voire haine envers les élus, rejet des corps intermédiaires au point que les résultats d'élections démocratiques se trouvent immédiatement contestés, marqués du sceau de l'illégitimité pour leurs vainqueurs, quand ces résultats ne sont pas tout simplement ignorés ou appelés à l'être. Nous recevons Dominique Rousseau dans cette nouvelle émission de Studio Lacan, pour notre rubrique « Un divan dans le monde » qui se tiendra sous le titre « Radicaliser la démocratie ». Avec les prochaines élections législatives en toile de fond et un nouveau quinquennat présidentiel qui débute, nous allons tenter de voir quelles sont, selon Dominique Rousseau, les causes politiques et sociétales qui ont concouru à cet état de fait. Nous nous intéresserons aussi à l'analyse qu'il en fait et les idées qu'il développe pour tenter de répondre à ce qui se présente aussi comme un appel à un plus de démocratie. Nathalie Lacœur, elle, tiendra pour nous notre chronique de l'écho dans la culture à partir du dernier livre de Stéphane Hertmans, auteur belge, flamand, qui a pour titre « Une ascension ». Et Mathieu Siriot relayera, lui, la question de savoir si le président est devenu fou dans notre rubrique « Actualité de la psychanalyse ». Allons-y. Dominique Rousseau, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir en duplex à Studio Lacan pour cette rubrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes président du conseil scientifique de l'Association française de droit constitutionnel. Et vous avez écrit de multiples ouvrages, dont deux particulièrement ont retenu notre attention. « Radicaliser la démocratie », sorti en 2015, et « Six thèses pour la démocratie continue », publié récemment aux éditions du Seuil, et qui se présente comme la suite, l'approfondissement de l'idée que vous développez dans le premier. « Radicaliser la démocratie » est un titre qui nous a accrochés. Il est dans l'air du temps, avec ce terme de « radicaliser », en même temps que vous subvertissez, puisque « radicaliser » est là pour indiquer ce sur quoi il convient de ne pas lâcher, la démocratie. Français, encore un effort pour un peu plus de démocratie, pourrait-on dire avec vous. Cet effort, vous le situez au niveau institutionnel, en regard de la crise de la représentativité qui met notre démocratie en danger. Ainsi, vous décrivez une situation d'autisme constitutionnel, c'est un terme qui parlera à nos collègues psychanalystes, c'est-à-dire une perte d'articulation entre les institutions et les citoyens, qui ne s'y retrouvent plus. Alors, pouvez-vous nous dire comment c'est arrivé, selon vous, cette perte de la représentativité? D'abord, merci. Merci pour votre invitation. Je suis évidemment très, très honoré d'échanger avec vous sur cette question de la crise, non pas de la démocratie, mais vous l'avez indiqué, de la forme
représentative de la démocratie. Pourquoi en est-on arrivé là? Je crois que dans la forme même de la démocratie représentative, dans la forme représentative de la démocratie, il y a déjà tous les éléments de la crise. Quel est le principe sur lequel on vit depuis 1789? Il a été très clairement énoncé par Sieyès, c'est le peuple, je le cite, hein, le peuple ne peut vouloir, ne peut agir et ne peut parler que par ses représentants. C'est ça la forme représentative. Le problème, c'est qu'il arrive à un moment où ceux au nom desquels on parle vont dire stop, pas en notre nom. Si j'employais, le langage ordinaire ou le langage populaire, quand on discute au moment des élections entre amis, on dit alors à qui tu vas donner ta voix. Et on ne se rend pas compte en disant cela qu'on dit autre chose que cette phrase banale. Si on donne notre voix, ça veut dire qu'on devient muet et qu'on va effectivement laisser parler les représentants et qui vont décider en notre nom. Je crois que aujourd'hui, c'est ce cycle-là qui ne fonctionne plus, qui est en crise. Et là encore, prenons le langage populaire, les citoyens, les gens ne veulent plus donner leur voix, ils veulent donner de la voix. Et le basculement auquel la société française, mais pas que la société française, le basculement d'une forme de démocratie à une autre pourrait se résumer entre ces deux formules. Donner sa voix ou donner de la voix. Et nous sommes au milieu de ce basculement. Les citoyens se rendent compte, mais déjà depuis plusieurs années, les citoyens se rendent compte que voter, donner leur voix, finalement, ne change pas grand-chose dans l'orientation des politiques publiques, ne change pas grand-chose quant à leur vie quotidienne. Et par conséquent, ils cherchent ailleurs les moyens d'intervenir dans la vie politique de leur pays. Et donc c'est dans cette tension-là entre une forme qui s'affaisse, la forme représentative, et une forme qui arrive, que j'ai appelée continue, de la démocratie. C'est dans ce moment-là, évidemment, que se trouvent aujourd'hui nos sociétés, avec une forme qui résiste, une forme qui arrive. Alors la forme qui résiste, c'est, là aussi, langage populaire, c'est pas la rue qui gouverne, hein, c'est les élus, forme représentative. Et puis, de l'autre côté, la forme qui arrive, la forme continue, si, c'est peut-être, pour l'instant, la rue, les ronds-points, les places publiques, qui demandent, justement, à pouvoir gouverner, ou en tous les cas, être associés à la définition des politiques publiques. Alors justement, on entend bien que vous considérez que c'est pas tellement un moment, mais presque qu'il y a un défaut de structure dans la dimension représentative de la démocratie. Et on se disait qu'il y a une offre politique qui paraît séduisante pour répondre à ce désenchantement par rapport à la démocratie représentative ou pour pallier à ses défauts, ses vices et redonner la parole aux citoyens qui serait donc confisqué ou ignoré. Alors, la question qu'on pourrait vous poser, c'est pourquoi il y a cette méfiance aussi, une méfiance d'ordre démocratique, quant à la promesse de donner la parole au peuple, si on tient la promesse, bien sûr. Mais oui. Finalement, c'est une question sur la démocratie directe, au fond. Oui, tout à fait. Les référendums. Alors, oui, alors la proposition que je fais est celle de ce que j'appelle la démocratie continue.
Je vais revenir sur votre question du référendum. Mais continue, ça veut dire deux choses très simples. Ça veut dire que la démocratie ne s'arrête pas, tout simplement, ne s'arrête pas aux moments électoraux, et elle doit continuer entre deux moments électoraux pour que les citoyens ne soient pas des intermittents, en quelque sorte, de la démocratie, mais qu'ils puissent exercer en continu leur métier de citoyen. C'est quoi leur métier ? Leur métier de citoyen. Leur métier de citoyen, c'est un, contrôler en continu l'action de leurs élus, et deux, être associés à la définition des politiques publiques et à l'élaboration des lois. Voilà ce que ça veut dire. Parce qu'actuellement, ils n'ont pas cette fonction. Ils votent et ils s'arrêtent, c'est pas à eux de contrôler, mais c'est aux juges, c'est pas à eux de faire les lois, mais aux élus. Moi, je considère que, si, c'est aux citoyens, entre deux moments électoraux, de faire ces deux actions politiques de contrôle et d'élaboration des lois. Continue, ça veut dire aussi que, et je reviendrai sur ce que vous avez dit en introduction, continue, ça veut dire que la démocratie ne s'arrête pas à la sphère étatique. C'est pas parce qu'on aura démocratisé l'État qu'on aura démocratisé la société. Pour moi, le principe démocratique doit se diffuser dans l'ensemble des sociétés. Là aussi, je me réfère au langage ordinaire, sans vouloir faire du Wittgenstein, hein, mais je me réfère au langage ordinaire. On entendait souvent la démocratie doit s'arrêter aux portes des entreprises. La démocratie doit s'arrêter aux portes de la famille. Eh bien non. Je considère que le principe démocratique doit se diffuser dans l'ensemble de la société, parce que la démocratie n'est pas une forme d'État, mais c'est une forme de société. Et c'est en ce sens que les principes qui caractérisent la démocratie doivent se diffuser dans l'ensemble des sphères d'activité. Pourquoi pas le référendum ? Pourquoi je suis, disons, plus que réservé à l'égard du référendum ? À la fois par les expériences, par l'étude des différents référendums, notamment des campagnes électorales, et parce que le référendum, quelles que soient les précautions que l'on prend, est davantage un acte d'acclamation qu'un acte de délibération. Je pense que nos sociétés demandent aujourd'hui à échanger, à discuter, à confronter les différentes manières d'être au monde, les différentes manières de vivre. Et dans ces sociétés qui deviennent plurielles, où il faut donc penser la coexistence de manières d'être au monde différentes, c'est pas par un référendum qui est un acte couperet, c'est pas par un référendum que l'on va arriver à construire un commun, un en commun de ces manières d'être au monde différentes. C'est en se mettant, c'est un auteur que j'aime bien, qui est Camus, c'est en se mettant en hauteur d'homme, comme il dit, hein, faut se mettre à hauteur d'homme pour échanger sur nos manières de vivre, notre manière d'être au monde et trouver un accord qui vaut pour les hommes de ce moment-là à ce moment-là. Et le référendum, lui, le référendum coupe et il laisse parler les réactions premières que l'on peut avoir par rapport à un sujet. Il est du côté de donner la voix, on pourrait dire, si je reprends ce que vous avez dit. Du côté de donner de la voix et pas donner sa voix. Oui, mais alors c'est donner, parce que le référendum, vous donnez votre voix. Oui. Vous donnez votre voix, et puis après, si on voit par exemple en Suisse, et puis après ce sont les élus qui utilisent votre voix pour dire ce que vous avez voulu. Si je prends le référendum de 2005, le non l'a emporté en 2005 sur la question de la Constitution européenne. On a donné notre voix. Mais qui a donné un sens à notre voix ? À notre voix, voilà. Bon. Qui a donné un sens ? Alors certains disaient le non veut dire non à l'Europe. D'autres disaient non, ça veut dire non à cette constitution-là.
parce qu'elle est libérale, mais on aurait accepté une constitution écolo. Donc, les citoyens perdent, et perdent le sens de leur vote, et plus encore, zappent ou passent à côté d'une mise à distance ou d'une réflexion par rapport au, comment dire, à une réaction première que l'on peut avoir. Je pense que, par exemple, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour la peine de mort, spontanément, vous allez dire oui. Parce que votre enfant, si on le tue, etc. Bon. Et le référendum, c'est une réaction, c'est un vote, comment dire, à l'immédiateté. Alors que pour moi, la démocratie, c'est on part de nos sentiments, on part de nos impressions, et il faut réfléchir. Les impressions. C'est ça. A contrario donc d'une démocratie qui fonctionne par intermittence et qui s'arrête pour le citoyen lambda aux temps électoraux, la démocratie continue que vous appelez de vos voeux est une démocratie indirecte quand même, plus vivante, car de délibération populaire. C'est bien ça. Pas de référendum sans délibération. C'est ça, voilà. Il me semble, votre idée. Alors, je vous propose que nous fassions une courte pause pour notre rubrique Écho de la culture. Nous vous retrouvons juste après, Dominique Rousseau. Parfait, merci. Bonjour Nathalie Lacœur, vous êtes psychanalyste en Belgique néerlandophone, membre de l'Association mondiale de psychanalyse, et vous situez notre écho de la culture dans le fil de votre lecture du dernier roman de l'écrivain belge, comme je le disais en ouverture, de Stéphane Hertmans, qui lui-même vient de la Flandre, la région néerlandophone du pays. Comment dit-on d'ailleurs le titre de son roman De Opgang, voilà. Et donc vous avez placé votre propos sous le titre « Une maladie flamande ». Oui, bonjour. Dans une ascension, Hertmans livre un témoignage précis de la montée du nationalisme flamand et ses dérives pendant la Deuxième Guerre mondiale en racontant la vie de Willem Verhulst, l'ancien habitant de sa maison à Gand. Il dessine d'abord la jeunesse de Verhulst dans la Flandre du début du XXe siècle. La majorité parle néerlandais, mais la bourgeoisie français. Grâce aux efforts du mouvement flamand, le néerlandais vient d'être la deuxième langue officielle. La deuxième langue officielle du pays. Et le droit de vote n'est plus réservé à des gens aisés et donc francophones. Mais le mal est fait. Hertmans décrit, à travers le personnage de Verhulst, né dans la classe ouvrière néerlandophone, combien le mélange de francophones et néerlandophones, et ceci depuis la fondation de la Belgique en 1830, a fait naître entre-temps des fantasmes d'humiliation et de vengeance parmi le peuple néerlandophone. Dès la Première Guerre mondiale, Verhulst se rapproche d'autres personnes animés par les mêmes fantasmes et la même volonté, je cite, de libérer leur pays du joug des oppresseurs francophones. D'où leur attrait collectif pour le projet allemand de fonder un grand empire germanique. Entre les deux guerres, Verhulst organise des soirées cinéma pour renforcer la dite identité flamande pure. Et lorsqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, la radio de Gand est occupé par les Allemands, Verhulst en est nommé directeur et la transforme en outil de propagande. À mesure que le livre avance, Hertmans laisse parler les archives mêmes et révèle ainsi la pulsion de mort dont l'idéalisme du nationalisme flamand est la couverture diabolique. Verhulst devient officier SS et l'incarnation du criminel de bureau, compilant des listes de suspects à interroger et déporter. Alors, quel regard la Flandre porte-t-elle sur la collaboration ? Hertmans souligne sa banalisation lorsqu'il fait dire par le notaire qui lui vend la maison : « Au fond,
Ils étaient bien braves, ces gens-là. Une guerre, ça vous chamboule tout. Et avant d'avoir eu le temps de s'en apercevoir, vous vous retrouvez du mauvais côté, pas vrai? Mais Hertmans évoque aussi, non sans honte, la passion d'ignorance du jeune Hertmans, qui participe à une manifestation gantoise en mai 68 et se retrouve à crier « Wallenbergen, les ballons d'or ». Alors Nathalie, est-ce qu'il y a un nationalisme flamand d'aujourd'hui? À la fin du livre, Hertmans évoque l'éloge faite en 1997 par un jeune nationaliste flamand, fils d'un collaborateur, à l'occasion du 90e anniversaire d'une ancienne SS, la maîtresse de Verhoest, fan d'Hitler, jusqu'à son dernier souffle. Il la remercie d'avoir mis sa vie au service de l'émancipation flamande. Fin de citation. Ce jeune politicien, Bart Wever, fonda 4 ans plus tard la NVA, le plus grand parti politique actuel en Flandre. Arrivé à la tête du gouvernement flamand en 2019, ce parti s'est emparé du ministère de la Culture en déclarant que c'est la compétence la plus importante à côté de la défense. Et dans l'accord gouvernemental flamand, signé par les 3 partis de la coalition, un nouveau signifiant maître a surgi. L'expérience identitaire flamande qui veut, je cite, que nous traitons sans complexe d'où nous venons et de qui nous sommes. Sans complexe, c'est un véritable déni passionnel. Merci Nathalie Lacœur pour nous donner envie de lire Une Ascension pour en savoir plus. Restez avec nous pour continuer à discuter avec Dominique Rousseau que nous retrouvons pour poursuivre notre discussion. Alors Dominique Rousseau, vous proposez la création d'un comité pour la réécriture de la Constitution en charge d'organiser des assemblées décentralisées qui ensuite reprendraient les propositions des citoyens qu'il ferait ensuite, qu'il réécrirait pour les faire remonter ensuite à une commission mixte qui comprend plusieurs personnes, membres de l'Assemblée, du CESE, etc. Ce comité serait composé pour moitié de citoyens tirés au sort, pour moitié d'universitaires ou de personnalités expérimentées. Il y a l'idée, il me semble que vous avez, d'éduquer le citoyen avant qu'il ne se prononce. Mais alors, ma question serait, comment choisir l'expert ? Il n'y a pas d'expert objectif et puis il n'y a peut-être pas non plus de consensus d'experts. Nous l'avons vu au moment du temps de la Covid, où nous avons vu des universitaires éminents, des scientifiques connus se positionner à l'envers du comité scientifique en charge de conseiller le gouvernement. Donc, il me semble que finalement, aujourd'hui, chacun choisit l'expert qui lui convienne. Celui qui renforce finalement sa croyance, voire sa certitude. Qu'en pensez-vous ? Oui, vous avez raison. Vous avez raison, il n'y a pas d'expert objectif. Si je prends mon domaine, la question de la révision de la Constitution, certains de mes collègues sont pour un régime présidentiel, d'autres sont pour un régime parlementaire, certains sont pour, vous avez parlé tout à l'heure de la révolution référendaire, certains sont pour multiplier et gouverner finalement par référendum. Donc les juristes ou les constitutionnalistes, évidemment, sont divisés sur les solutions à apporter à la crise de la forme représentative de la démocratie. C'est pour ça que je pense qu'à côté de ces experts, il convient d'associer des citoyens tirés au sort. Parce que ces citoyens tirés au sort, ils n'ont peut-être pas le savoir universitaire, académique, mais ils ont un savoir d'expérience. Ce savoir d'expérience, aujourd'hui, il est trop souvent ignoré, négligé ou rabaissé. Et le danger serait qu'on sorte de la crise actuelle, non pas vers
une démocratie continue, mais vers une épistocratie qui finalement donnerait le pouvoir aux experts. Je pense que s'il y a aujourd'hui un consensus, s'il y a un accord, c'est sur la nécessité d'associer les citoyens à l'élaboration des lois. Je pense que sur cette question-là, il y a un consensus. Alors après, il y a des différences sur les modalités d'associer le citoyen. Certains disent par référendum. Bon, moi, je n'y suis pas favorable sous réserve. D'autres disent, comme moi, il faut des assemblées délibérantes. Il faut créer des assemblées primaires de citoyens dans chaque circonscription, avec l'obligation pour le député de faire discuter par ses assemblées primaires de citoyens les propositions de loi avant qu'elles soient délibérées à l'Assemblée nationale. On peut aussi imaginer des conventions de citoyens. Alors, pas sur le modèle, parce que l'idée était bonne de faire une convention citoyenne sur le climat, mais la manière dont elle a été organisée est un peu désastreuse. Mais l'idée est bonne. L'idée, aujourd'hui, est bien d'associer des citoyens et de partir de leur savoir d'expérience pour construire ou proposer des lois. Donc, quand vous dites divergence, oui, mais je pense qu'il y a aujourd'hui un relatif accord sur le fait que si on continue, si nos sociétés continuent à fonctionner sur le type de légitimité, disons, représentatif, elles vont dans le mur. Et on voit se multiplier. Oui. On voit se multiplier, d'ailleurs, même Emmanuel Macron, dans son premier mandat, il a bien vu que la crise des Gilets jaunes ne pouvait pas se résoudre en disant « j'ai été élu et puis voilà, taisez-vous ». Il est obligé de faire un grand débat. Bon, alors c'est un one-man show, c'était... Mais les élus sentent ce que j'appelle le passage de la légitimité électorale, ou plus exactement, le passage d'une légitimité qui tient sa force d'impulsion de la source, qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Il y avait la légitimité. Pourquoi une décision était juste? Qu'est-ce qui fait qu'une société obéit? Parce que la décision vient de Dieu. Bon, très bien. On élimine Dieu. Pourquoi on obéit? La nature. Les lois viennent de la nature. Très bien. La nature est gentille, on obéit. Ou le peuple. Les lois viennent du peuple. Le peuple est bon, donc on obéit. Et aujourd'hui, ce sont ces types de légitimité dont la force d'impulsion est la source, qui me paraît être en crise, et se met à la place, ou en tous les cas se substitue progressivement, une légitimité que j'appelle procédurale. C'est-à-dire que les citoyens font confiance à une décision, non pas en se référant à la source de cette décision, Dieu, la nature, le peuple, mais en se référant à la manière dont cette décision a été prise. Est-ce que tous les arguments ont été échangés? Est-ce que les citoyens, dans leurs activités personnelles, professionnelles, sociales, ont été associés à cette élaboration? Est-ce qu'on a mis du temps pour construire une loi ou une politique publique? Donc, on passe, si vous voulez, d'une légitimité électorale à une légitimité procédurale. Et je pense que tout le monde y a un accord là-dessus. La question, c'est qu'on n'a pas encore trouvé, comment dire, les institutions ou les mécanismes permettant de faire vivre cette légitimité procédurale. La légitimité électorale, elle a ses institutions, c'est l'Assemblée nationale. Si je peux vous interrompre, on voit effectivement cette recherche d'essayer de répondre, au fond, à cette crise de la légitimité, de redonner plus de poids
à la parole du citoyen. Et donc cette idée de continuité de la démocratie que vous développez est un instrument, je dirais, que vous cherchez pour répondre à cette crise. Et en même temps, vous avez des propos qui, justement, indiquent qu'il faut trouver ces solutions pour éviter l'appel au peuple, de nouveau, justement, ou le populisme. Vous faites, nous semble-t-il, une distinction entre, justement, le peuple, dans son essentialisation, Oui, parce que je pense que les populistes, d'ailleurs, si vous remarquez dans le discours des populistes, leur vocabulaire, ce n'est pas les citoyens, c'est les gens. Hein, ils parlent les gens. Or, si vous voulez, le peuple, bon, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, mais enfin, le peuple, c'est un artefact. Le peuple, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est une construction, le peuple. Et la question est de savoir avec quel outil on construit le peuple. Alors, ça peut être la religion, hein, le peuple musulman, le peuple chrétien, le peuple, bon, ça peut être le sexe, le peuple hétéro, trans, bon. Mais ça peut être aussi le droit. C'est-à-dire que le droit, et notamment la Constitution, est cet instrument qui fait que des gens qui ne se connaissent pas, finalement, se rencontrent autour de principes communs. Et c'est ça qui fait. Je dirais, j'ai eu l'occasion de développer devant vos confrères qui m'avaient invité, je crois, à Toulouse, la Constitution comme miroir magique. Hein. C'est-à-dire, la Constitution fait advenir ce qu'elle énonce. C'est-à-dire que lorsque la Constitution dit que vous êtes un citoyen, eh bien, elle fait advenir ce qu'elle énonce. Et vous vous voyez non plus comme une personne, mais comme un citoyen. Quand la Constitution dit que vous avez le droit à la santé, le droit au logement, eh bien, vous vous identifiez comme titulaire du droit à la santé et vous allez donc revendiquer. Regardez les mouvements sociaux actuellement, notamment pour le climat, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à ce que soit inscrit dans la Constitution le respect de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que la Constitution, c'est un peu comme le miroir de Blanche-Neige, hein, où la reine se regarde dans le miroir et c'est le miroir qui lui apprend qu'elle n'est pas la plus belle et elle va se comporter comme le miroir lui a dit qu'elle était. Bien, la Constitution, c'est la même chose. La Constitution, elle nous donne notre identité. Nous sommes des citoyens égaux, disposant de la liberté d'aller et venir, etc. Et nous allons nous comporter comme la Constitution nous dit. Alors que les populistes, ils ne veulent pas de Constitution. Les populistes, ils veulent la population. Ils ne veulent pas le peuple. Alors justement, ils veulent la population. Est-ce que la démocratie, finalement, ne fait pas croire à l'égalité, alors que fait idéaliser, disons, l'égalité, et que cette égalité auquel on croit et que l'on attend provoque le ressentiment, et c'est sur ce ressentiment que tablent les populistes? Non, je pense que alors vous avez raison sur le premier point, c'est-à-dire moi je dis souvent que la déclaration de 1789, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Hein, elle est devant nous. Vous prenez l'article premier de la déclaration, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Avec ça, vous avez de quoi faire péter tous les systèmes, parce qu'il n'y a aucun système où on est réellement libre et égaux en droit. Donc la Constitution, ou ces principes constitutionnels, liberté d'aller et venir, liberté d'opinion, etc., droit à la santé, droit au logement, droit à un environnement sain, ne sont pas réalisés, mais ils sont le point d'appui des luttes sociales pour que ces droits se réalisent. Il ne faut pas croire que parce que ça va être inscrit dans la Constitution, ça y est, c'est fini. On le voit bien aux États-Unis avec la question de l'avortement. Là encore, je reprends mon adjectif continu, c'est une action continue. L'action, c'est de faire inscrire dans la Constitution
le droit, c'est toutes les luttes sociales débouchent sur l'inscription dans une déclaration des droits ou dans une constitution, mais ce n'est pas pour ça que la lutte doit s'arrêter. La lutte doit continuer pour rendre effectifs ces droits. Les populistes ne sont pas du tout dans cette logique. Les populistes, ils sont dans une logique, alors Chantal Mouffe a très bien reconnu, leur référence est Carl Schmitt. On parlait tout à l'heure du nationalisme, et bon, Carl Schmitt a été le grand juriste du Troisième Reich, et ce qu'il voulait, c'est pas de constitution. C'est une relation directe entre le chef et la population. Et je crois que Carl Schmitt parle du prince-peuple. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de constitution, puisque le peuple s'incarne dans la personne du chef. Et donc, quand le chef parle, c'est le peuple qui parle. Or, précisément, la constitution, c'est ce qui crée un écart entre les chefs et le corps du peuple. Le corps du peuple, d'une certaine manière, il est dans la constitution. Et c'est à partir de cette identité que donne la constitution au corps du peuple que ce peuple peut agir contre ou à côté des élus. Alors qu'avec le populisme, comme le peuple est dans le corps du chef, c'est le chef qui décide de tout. Voilà, on va devoir malheureusement arrêter notre conversation là. Vous faisiez référence à Carl Schmitt, qui a été le théoricien effectivement du Troisième Reich, mais qui a des propos aussi enseignants sur la dimension intrinsèque de décision propre à toute action politique, et que donc il y a à la fois une dimension de délibération, mais il faut un moment aussi de décision, et cet acte-là, il se pose la question de comment il est posé. Enfin, il est posé, on voit bien qu'il y a est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de bureaucratisation, quelque part, à force de délibération? Je crois que c'est l'inverse. C'est-à-dire que la question n'est pas de zapper le moment de décision. Si le chef décide, dans la pensée de Schmitt, il n'y a pas besoin de délibération, puisque le chef est souverain. C'est la question, le souverain se désigne par sa capacité à décider, et à décider hors du droit. Et c'est précisément ce qui fait le souverain. Il n'est pas lié par le droit. Bon. Et ça, ce n'est pas une décision démocratique. Une décision démocratique, c'est une décision qui a été délibérée, discutée, échangée, et au terme de cet échange, une décision est prise. C'est ce qui fait la différence entre une décision démocratique, qui est le résultat d'un processus, et une décision populiste, qui est le résultat d'un acte du souverain, qui évidemment va s'entourer d'une bureaucratie, si ce n'est de police et de militaires, pour prendre sa décision et ensuite la faire exécuter. Écoutez, merci beaucoup Dominique Rousseau d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. On arrête donc là cette séquence très riche pour passer à notre dernière séquence, l'actualité de la psychanalyse, pour laquelle nous accueillons Mathieu Siriot. Mathieu Siriot, bonjour. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Et vous allez nous parler de la publication récente d'un ouvrage qui s'intitule « Le président est-il devenu fou ? Le diplomate, le psychanalyste et le chef de l'État ». Donc en mars 2022, l'historien Patrick Veil a publié un ouvrage passionnant sur l'histoire qui entoure le controversé Portrait psychologique du président Woodrow Wilson, écrit par William Bulit et Sigmund Freud en 1932.
Ce portrait restait controversé car le mystère persistait sur la véritable contribution de Freud à ce livre, publié par Bulit en 1966, soit plus de 30 ans après la disparition de l'inventeur de la psychanalyse. Si Patrick Veil s'est intéressé aux circonstances qui ont amené dans les années 30 un diplomate américain et un psychanalyste à dresser une analyse psychologique du 28e président des États-Unis, c'est parce qu'il a retrouvé en 2014 le manuscrit original, non modifié par Bulit, que tout le monde croyait disparu. En s'appuyant sur ce texte, Veil démontre, preuve à l'appui, que Freud a bien coécrit et surtout co-dirigé l'ensemble du manuscrit. Bien, alors, au-delà de cette confirmation, au fond, que nous apprend au fond, l'ouvrage de Patrick Veil sur les raisons qui ont amené alors Bulit et Freud donc, à s'intéresser à la psychologie du président Wilson? Alors, Patrick Veil évoque deux raisons. La première est politique. Au printemps 1920, la classe politique américaine et internationale se demandait si Wilson n'était pas fou. Cette hypothèse s'appuyait sur le fait que le 19 mars 1920, contre toute attente, Wilson donne l'ordre aux sénateurs de son propre camp de voter contre la ratification du traité de Versailles, qu'il avait lui-même négocié depuis 1917, suite à l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit mondial. Dès novembre 1917, Wilson rédige les célèbres 14 points généraux qui vont servir de base juridique à l'armistice, à la paix et au traité de Versailles. Le point premier, prévoyant la création d'une société des nations, provoque l'inquiétude d'une partie de la classe politique et le blocage de la ratification du texte au Sénat. Cette Société des Nations, qui deviendra bien plus tard l'Organisation des Nations Unies, engagera la solidarité de tous les États signataires en cas d'agression militaire d'un de ses membres. L'opposition républicaine ne souhaite pas que les États-Unis deviennent les gendarmes du monde et interviennent au règlement de tout conflit international. Alors que Wilson n'avait accepté antérieurement aucune modification de son traité, qui devait mettre fin à toutes les guerres, il sabote soudainement son projet. Alors que sait-on du lien de Bulit avec Wilson ? Alors, William Bulit est un agent spécial du président Wilson au renseignement, et ce, dès 1917. Il œuvre auprès des puissances alliées aux négociations pour finaliser le traité initial. Lorsqu'il découvre que Wilson, dont il est très proche, veut signer un traité qui dénature ses promesses, Bulit démissionne de son poste le 17 mai 1919, témoigne à charge contre le président devant le Sénat, puis se retire de la vie politique. Comme la plupart des grands personnages de l'époque, William Bulit considère Wilson comme le principal responsable de l'échec du traité de Versailles et surtout du deuxième désordre mondial qui suivit. Or, nous apprenons dans le livre de Patrick Veil que Sigmund Freud partageait cette analyse. Si les États-Unis avaient ratifié le traité, Hitler se serait heurté à une alliance transatlantique plus conséquente et Roosevelt, alors président, aurait pu armer son pays et intervenir plus tôt en Europe. Donc c'est la première raison. Vous avez aussi évoqué une seconde raison. Tout à fait. La deuxième raison provient du lien transférentiel qu'entretenait le diplomate pour son psychanalyste, Freud lui-même. Information rapportée par Patrick Veil qui redouble l'intérêt de son ouvrage. Le choix de cet historien de suivre à la trace la vie diplomatique et intime de Bulit nous dévoile des éléments personnels de sa rencontre avec Freud et de leur intérêt commun à rédiger un écrit sur le président Wilson. William Bulit a donc suivi une analyse avec Freud et la rédaction en commun d'un livre sur le président Wilson en serait une conséquence, c'est bien cela ? Tout à fait. En 1926, William Bulit décide de commencer une cure. Retiré de la vie politique depuis 7 ans et lancé dans une carrière d'écrivain, il éprouve à cette période de sa vie un état de misère psychique. Le décès de Wilson en 1924 a été un grand choc pour lui.
Bulit ne voit qu'un seul homme à qui s'adresser, Sigmund Freud. Depuis 1910, il connaissait les théories freudiennes grâce à l'un de ses professeurs de Yale qui avait assisté en 1909 aux conférences de Freud à la Clark University. En 1926, Bulit se rend donc à Vienne chez Freud. Ce dernier, bien que malade et affaibli, accepte la demande de cure de cet ancien diplomate dont il connaît l'existence par la presse. Bulit reste plusieurs mois à Vienne pour suivre ses séances journalières. Très vite, il confie que son analyse l'aide à dépasser son humeur dépressive. Au cours des séances, Bulit discute avec Freud du traité de Versailles, de ses projets d'écriture sur le président Wilson. Freud l'encourage dans cette voie. Après son départ de Vienne, Bulit continue son analyse par intermittence. En 1930, il retourne voir Freud et lui propose de réaliser ensemble un portrait psychologique du président Wilson. Freud accepte. Bulit met à sa disposition une documentation importante et interviewe l'ensemble des proches de l'ancien président. Pendant 2 ans, le diplomate et le psychanalyste cherchent à comprendre les motivations psychiques des actes posés par Wilson. Lorsque le manuscrit est terminé, Freud dit à Bulit « J'espère que l'un des effets de ce livre sera de vous ramener en politique. » Et l'interprétation a fait mouche ? Exactement. Bulit délaisse le projet de publication et se remet à la vie politique et diplomatique. Il devient l'un des grands acteurs de la Seconde Guerre mondiale aux côtés de Roosevelt contre Hitler. Il aide la famille Freud à fuir le régime nazi et à se réfugier en Angleterre. Bulit devient le premier ambassadeur à Moscou, puis est nommé à Paris, s'opposant ouvertement à Pétain. Las de l'inaction politique face à la guerre, il rejoint De Gaulle, intègre la première armée française et est décoré de la Légion d'honneur. Par son ouvrage passionnant, Patrick Veil nous éclaire sur des faits historiques, mais il met aussi en lumière que le portrait psychologique du président Wilson est né du lien unique et intransférable entre un analysant et son psychanalyste. Hein, merci. Merci Mathieu Sirio. Les analyses mentent à tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous allons nous arrêter là, car c'est le moment de conclure. Merci à nos invités. Nous nous retrouvons samedi prochain pour une nouvelle émission de Studio Lacan. Merci. Thank you.